Lorsqu'elle a quitté BFM TV pour rejoindre le service public, Aurélie Casse a intégré l'équipe de C'est à vous sur France 5. Mais 4 mois plus tard, elle a décidé de quitter l'équipe dirigée par Anne-Elisabeth Lemoine. Juste après cette annonce, elle a expliqué qu'elle souhaitait consacrer plus de temps à la préparation de sa propre émission, C'est l'hebdo, également diffusée sur France 5. Cependant, des rumeurs de désaccord entre les deux femmes ont rapidement émergé. À plusieurs reprises, Anne-Elisabeth Lemoine a tenu à les démentir. « Non, ça va très bien et je ne sais pas d'où cela sort. Je trouve Aurélie très compétente et talentueuse », a ainsi déclaré l'animatrice de C'est à vous le 2 septembre dernier, dans une interview accordée aux Parisiens. Le 30 septembre 2024, Aurélie Casse était l'invitée du Buzz TV du Figaro. Elle a de nouveau expliqué qu'elle avait quitté l'équipe de Babette pour mieux préparer C'est l'hebdo. « J'ai à cœur de surprendre les invités, cela passe parfois par leur complicité avec leurs proches et tout cela prend du temps. Avant, je n'avais pas le temps de tout faire correctement. Donc j'ai prévenu la direction, et Anne-Elisabeth Lemoine qui ont tout de suite compris et cela s'est très bien passé », a-t-elle déclaré. Puis, elle est revenue sur les rumeurs de désaccord avec sa collègue. « C'est n'importe quoi. Je pense que c'est pour du clic. Et peut-être que comme on est deux femmes, forcément il faut qu'on s'entende mal », a-t-elle affirmé avec conviction. Aurélie Casse ne comprend pas ces rumeurs et se demande s'il ne témoignerait pas d'un relent machiste. Une mise au point bien claire qui fera peut-être taire ceux qui veulent opposer les deux animatrices.